très très longue. Je voulais juste te dire que en fait ce film il a été monté, Solveig était en train de monter un film qui s'appelle Made in USA, qu'elle a réalisé sur les méandres de la justice américaine et sur Odell Barnes qui était dans le couloir de la mort à ce moment-là aux États-Unis, et qu'en même temps qu'elle tournait ce film, qu'elle montait ce film avec Amélie Gel, sa monteuse qui a monté quasi tous ses films, elle m'a dit un jour, on se connaissait déjà très bien, et elle m'a dit vite, il faut que je monte aussi celui-là, je viens de le tourner, il faut absolument que je le monte. Donc en 2 minutes 30, on a trouvé une salle à 3 minutes de là où elle montait, et puis elle faisait les allers-retours entre la salle de montage de Made in USA et son montage de ce film-là. Enfin, moi, je ne sais pas comment elle a fait pour faire ça, parce que je trouve ça absolument incroyable de travailler autant sur des films différents en même temps. Voilà, et puis ce qu'elle me disait très souvent, c'est que ce film, elle aurait eu envie de faire la suite 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Donc voilà, je crois qu'elle aurait bien aimé que je vous donne des petites nouvelles de ces gens. Donc voilà, Tina a eu des jumeaux. Il travaille maintenant dans l'est de l'Islande, où elle travaille dans une résidence d'artistes. Voilà, David est devenu un grand peintre très reconnu en Scandinavie. Il n'a pas d'enfant, il n'est plus avec Tina, mais il vit avec une écrivain allemande, je crois. Sam Kuit a eu deux autres enfants, elle avait dit qu'elle en ferait peut-être plus du tout. Elle en a eu deux autres, elle est toujours avec Georg du groupe Sikoros. Loa, je crois, vit en Allemagne, peut-être toi t'as des nouvelles des autres. Et Oli est toujours à la radio, mais il est passé à la radio nationale maintenant, islandaise. Voilà. C'est aussi une star, je crois, oui, tout à fait. Il a beaucoup raconté des histoires. Et voilà, moi, ce qui me touche particulièrement dans ce film, c'est la complicité, en fait, qu'il a réussi à créer entre ces jeunes qui se connaissaient un peu, enfin, peut-être, allez, tu pourras en parler mieux. Voilà, comme il a réussi à créer tellement de complicité entre beaucoup de gens. Et, enfin, il y en a beaucoup qui sont... Il y a beaucoup de complices ici ce soir. Voilà.